Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette session de transfert technique entre les villes. Je suis Lamine Abad, je suis le chef de projet MC2CM et je vais vous guider dans la première partie de cette session. Peut-être juste vous rappeler que vous avez l'interprétation qui est disponible en français, en anglais, en arabe et en espagnol. So we have interpretation in French, Arabic, English and Spanish. Donc merci pour ceux qui ont besoin de l'interprétation de vous mettre sur le petit bouton interprétation et de choisir la langue de votre choix. Nous avons la chance aujourd'hui d'être réunis pour cette session technique qui est aussi un laboratoire. Après un travail intense, plusieurs sessions avec la municipalité de Rabat et qui fait suite à de nombreux échanges que nous avons eus. Et notamment, si vous me permettez, on avait, je vous citerai, monsieur le maire, avant de vous donner la parole, au congrès de CGLU au mois de novembre à Durban, dans une session organisée par MC2CM dans le cadre du congrès. Vous aviez parlé de l'importance d'institutionnaliser la migration au niveau local. Cette institutionnalisation passe bien évidemment par l'engagement politique des élus locaux, et je crois que votre présence aujourd'hui en est une preuve, mais elle passe aussi par le renforcement des capacités techniques des municipalités pour qu'elles puissent assumer leur rôle dans le cadre de la gouvernance migratoire des migrations. Et c'est aussi l'objectif de cette session d'aujourd'hui, d'aborder ces aspects techniques. Donc, sans plus attendre, je vous passe la parole, Monsieur Mohamed Sadiki, maire de Rabat, en vous remerciant de la participation de la ville et de votre participation avec nous aujourd'hui. Merci Lamine, très heureux de vous voir en particulier et avec Madame la Secrétaire Générale et toutes les honorables assistances. Donc je dis Madame la Secrétaire Générale de CIGELU, donc Emilia, Madame la représentante du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, Messieurs les représentants des départements ministériels ici présents avec nous, Messieurs les représentants des villes partenaires, maires, vice-maires, et élus locaux et messieurs les représentants des agences de développement, les organisations internationales et de la société civile, honorable assistance. Je suis très heureux et toujours honoré d'ouvrir cet atelier virtuel initié dans le cadre du projet MC2CM, co-organisé avec nos partenaires par excellence, CGLU Monde, ONU Habitat et ICMPD, avec l'appui de l'Union européenne et de l'Agence suisse de développement et de coopération, que nous remercions vivement cette rencontre qui représente un espace d'apprentissage par les pairs et surtout pour échange des bonnes pratiques dans le domaine de la migration. C'est vrai, vous avez rappelé qu'est-ce qu'on avait dit dans, c'est-à-dire l'ancien congrès de CGLU. C'est vrai, au niveau marocain déjà, il y a un effort déjà qui descend du central jusqu'au régional. On attend un peu des efforts pour continuer en termes de décentralisation pour arriver au niveau des villes, mais quand même, ça arrive incessamment. Bien sûr, Merhaba, il est toujours dedans, il travaille déjà sur le sujet, il est en avance sur toutes les villes. Donc, on vise essentiellement à promouvoir le transfert d'expérience entre les villes, notamment en matière d'accès des personnes migrantes à l'emploi. On essaie de les intégrer au mieux dans un contexte initial de territorialisation et bien sûr tout en étant dans la stratégie nationale d'immigration et d'asile, la SNIA, initiée par la volonté éclairée de Sa Majesté le Roi. Il vise également, donc cette stratégie, l'accélération de la mise en œuvre des ODD de l'agenda onusien 2030 et bien sûr de notre agenda africain 2063, et même aussi du nouvel agenda urbain, notamment en cette période de crise de COVID-19. Cette rencontre représente en effet un laboratoire d'échange sur l'inclusion sociale et de la diversité, et surtout une plateforme de stimulation mutuelle à la recherche de nouveaux modèles de développement qui mettent le citoyen au cœur des préoccupations pour des villes, bien sûr, innovantes, résiliente et inclusive. Sans doute, la question de la migration occupe aujourd'hui une place prépondérante dans la réflexion des politiques publiques, tant sur le plan international, national que local.
Il nécessite la mise en place de stratégies adéquates pour qu'elles soient traitées de manière efficace et humaine. On oublie souvent cette partie humaine. Ces stratégies doivent viser le bien-vivre ensemble de toutes les populations en les considérant à dignité égale. Il n'y a pas de différence. Ainsi, les communes sont plus que jamais appelées à jouer un rôle majeur dans la mise en place de ces stratégies. Elles constituent le fer de lance de la politique d'intégration socio-économique des migrants et des réfugiés à l'échelle gouvernementale, régionale, mais aussi locale. Ces stratégies requièrent également une démarche basée sur une approche territoriale participative qui nécessite l'implication de tous les acteurs, de la contribution citoyenne, ainsi que les moyens de gouvernance à la fois locaux, nationaux et internationaux. À ce niveau, les autorités locales, territoires de proximité, sont les mieux placées pour jouer à la fois le rôle d'initiateur et celui aussi de catalyseur au sein de l'ensemble des parties prenantes concernées par la question migratoire. Et donc, l'implication en tant que décideur des gouvernements locaux et régionaux en termes de planification, de mise en œuvre et de coordination des stratégies d'intégration au niveau local est essentielle afin de promouvoir une cohésion sociale et un développement durable et inclusif. À cet effet, elle est appelée à ce que les gouvernements nationaux fournissent des mandats clairs aux gouvernements locaux et régionaux en matière de politique migratoire et, plus particulièrement, dans le cadre des politiques d'inclusion et d'intégration économique et sociale, et s'assurer qu'ils disposent avec leurs équipes des outils de formation et des ressources, notamment financières, nécessaires pour les mener à bien. Mesdames et messieurs, distingués invités, en tant que maire de Rabat, permettez-moi de saisir cette occasion d'échange entre les différentes parties prenantes en matière de gouvernance migratoire afin d'identifier les opportunités de collaboration et de coopération susceptibles de mieux gérer les défis du vivre ensemble dans un contexte global et harmonieux. Dans ce cadre, je présume que cet atelier répond parfaitement aux défis de cette période marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 et prévoit de faire ressortir des recommandations fructueuses et concluantes en matière d'intégration socio-économique des migrants. Finalement, je réitère notre engagement et notre disponibilité pour assurer un plaidoyer à tous les niveaux afin d'améliorer la gouvernance migratoire dans la ville de Rabat et contribuer ainsi au développement local, voire même régional, puisque nous sommes la capitale aussi de la région de Rabat-Salihamidra. Pour conclure, je tiens à vous féliciter pour avoir entrepris cette réflexion collective à laquelle je me réjouis de participer, tout en vous remerciant d'avance pour votre attention. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces mots d'introduction. Et nous espérons que la réunion et les suites de travaux pourront répondre à vos attentes. Et d'ailleurs, vous avez mentionné des éléments très importants. C'est le rôle primordial que jouent les collectivités locales, les villes, dans le changement de paradigme pour avoir une approche à la migration qui soit une approche par les droits. Vous avez aussi mentionné l'importance de cette coordination interinstitutionnelle, mais aussi l'importance de renforcer à la fois les capacités, les ressources et les compétences des autorités locales dans la gouvernance migratoire. Je crois que c'est aussi un travail qui est mené plus amplement à un niveau plus global par notre partenaire CGLU. Et je profite pour directement donner la parole à Madame Emilia Seys, secrétaire générale de CGLU, pour ses mots d'introduction. Emilia, la parole est tuya. Merci, muchas gracias, Lamine. Merci, Lamine. Merci, monsieur le maire. Si vous aviez des questions, pourquoi Rabat et avec Rabat, vous avez les réponses dans le discours de monsieur le maire. C'est très clair. Parce qu'ils ont la vision, ils ont la capacité, ils ont le pouvoir et ils ont aussi cette vision politique incontournable qu'on a. On a besoin de ça pour progresser dans ce sujet que c'est pas évident, ce
c'est pas facile, c'est une question difficile des droits humains avec une grande répercussion sociale. Hein. Vous avez déjà dit ça, monsieur le maire. Donc, il y a une autre dimension de l'importance de notre interaction, Rabat, c'est j'ai lu, et c'est la dimension de notre relation spéciale avec le Maroc. Et ça joue aussi un rôle essentiel parce que parfois on a des champions au niveau local, mais on n'a pas ce partenariat fort avec les gouvernements nationaux. Dans cette question-là, la question des migrations, cette bonne relation et la vision des gouvernements nationaux du Royaume du Maroc avec la vision des villes comme Rabat sont très, très importants pour nous. Donc, ça, c'est le cadre de notre exercice, de notre exercice collectif. But it also, allow me to go to English, it also marks very much the role that Rabat is playing, not only in our program MC2CM, of course, this is part of that exercise that we carry together with ICMPD, with UN Habitat and other partners. But it's also linked to the efforts that we are making as world organization in the context of the Global Compact on Migration, the Global Forum on Migration and Development, and also, of course, with the UN Migration Network. And it is very important that Rabat is our champion for the local discourse on many of these things, and Morocco is the champion of the UN Migration Network on these topics. Now, if you put those two together, the kind of transformation that you trigger and the kind of learning capacities that you trigger is very, very relevant. It also allows us to deliver very consistent messages to the international community on the role that local governments do play, but need to play even more in the global policies, in particular around migration. So let us not forget that context, because it's not by coincidence that you see these champion cities coming together all the time. And we are creating a kind of a movement within the movement. I'm very grateful that we have representatives from Gaziantep, Guarulhos, Irbit, Ramallah, Sfax. All of these representations are really relevant for us, so that you learn among yourselves, but you also trigger change in policies of other cities and other organizations. This event is one of those events that are closest to our municipal movement heart, let's say, because it's an event that triggers policy transformation while allowing exchange of experiences. It's the critical core of collective learning. And this is why we are very hopeful that we will be able to continue this kind of experiences with other cities in this exercise. We are also very, very happy that we have a new dimension that is that we are connecting to this exercise, that is the network that is facilitated by our European section. So not only UCLGA is very active here, I see UCLG Africa colleagues that are also in this exercise, but also CEMR under Inclusive Cities efforts. I think it will be very critical to foster exchanges in between. And finally, on the topic of these and the leadership role that Rabat is playing, linking private sector with the conversation around human mobility linked with employment and inclusion.
I think these are very critical things and something that no single sphere of government can do on their own. This is something that a city like Rabat cannot do alone. You need the national government engaged, but also you need the private sector and you need civil society involved. And the approach that has been undertaken by Rabat can be considered bold, but it's also right. I would say it's the right path to go, and it is achieving really results. And I am very happy that the mayor was sharing with us before that we are seeing results on the ground as well. So hopefully this is good material to learn and enhance. And with those recognitions, dear colleagues, I would stop here because I think the most important part of the afternoon and of the job is to listen to you all. So thank you for giving United Cities and local governments the possibility to accompany you in this road, and congratulations teams, both in UCLG and ICMPD and the Rabat team for the efforts done. Thank you very much. Merci beaucoup, merci Monsieur le maire, merci Madame la secrétaire générale. Je pense que vous avez bien donné le cadre, la vision politique qu'il y a autour de ces travaux, que ce soit au niveau local directement, au travers du maire de Rabat, et comment ça s'insère dans le travail qui se fait plus globalement au Maroc, au niveau régional et national, mais aussi, Madame la secrétaire générale, et je crois que c'est aussi important de rappeler cela, le travail qui se fait à un niveau plus global, comme vous l'avez dit, avec le lien qu'on souhaite faire avec les pactes mondiaux et comment on peut assurer une contribution des collectivités locales dans la mise en œuvre de ces agendas. On ne le répétera jamais assez, mais la migration n'est pas une compétence locale, mais c'est une réalité locale et il faut que les collectivités locales soient partie prenante. Donc encore un grand merci à vous deux pour ces introductions et je vais continuer la réunion, notamment en faisant le lien, parce que monsieur le maire mentionnait la stratégie de la SNIA, la stratégie nationale d'immigration et d'asile au Maroc. Emilia, vous parliez notamment de l'importance aussi de cette relation avec le gouvernement marocain. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Leïla Ouchani, chef de la division d'intégration économique au niveau du ministère délégué et en charge des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, donc, qui va un peu nous présenter justement le cadre national de l'inclusion économique des migrants. Le Maroc a développé depuis 2014 une stratégie. Il est pionnier, notamment au niveau africain, sur la mise en place des politiques migratoires. Il y a un engagement très fort. Il a accueilli la conférence du pacte mondial sur les migrations au mois de décembre 2018. Et je lisais ce matin, Madame Ouchani, dans Maroc diplomatique, justement, une intervention de Monsieur Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, où il réannonçait, où il réitérait encore une fois l'engagement du Maroc pour la mise en œuvre de ces pactes mondiaux. Donc, je crois qu'on est vraiment dans cette dynamique-là. On souhaiterait accompagner ce travail-là en reprenant les mots du maire, en faisant cet effort supplémentaire peut-être pour que ces stratégies puissent aussi arriver et être mises en œuvre au niveau local. Donc, sans plus attendre, la parole est à vous, Madame Ouchani. Merci de nous avoir rejoints. On vous écoute. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour la tenue de ce webinaire qui, je pense, est une opportunité qui va permettre d'échanger autour des opportunités qui se présentent en matière d'intégration, notamment l'intégration économique des migrants et réfugiés, mais aussi parler des défis et des pistes qui permettraient justement d'améliorer le processus d'intégration de ces migrants. Donc, mon exposé portera sur les principales avancées qui ont été enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d'immigration et d'asile. Mais avant tout, donc, je rappellerai un peu le contexte global. Comme vous le savez, donc, le Maroc, en raison de sa nouvelle situation, réalité migratoire en tant que pays d'accueil, donc, il a souverainement adopté une politique nationale d'immigration et d'asile en 2013 et qui vise justement à assurer une meilleure intégration des migrants et des réfugiés et aussi à assurer une meilleure gestion des flux migratoires. Donc, depuis la mise en
la mise en œuvre de la stratégie nationale d'immigration d'asile qui a été adoptée en 2014 et qui, bien sûr, repose sur 7 programmes sectoriels et 4 programmes transverses. Nous avons donc travaillé sur 3 axes principaux, à savoir la régularisation des migrants qui étaient en situation irrégulière ainsi que les demandeurs d'asile pour justement leur permettre de bénéficier des services de base. Le deuxième point qui était important, c'est la mise en œuvre des programmes d'intégration, que ce soit dans le domaine de l'éducation, la santé, l'emploi, la formation professionnelle et j'en passe. Et c'est en partenariat avec les associations de la société civile et avec l'appui des organismes internationaux. Le troisième axe, donc, nous avons travaillé sur l'élaboration de la loi sur la traite en 2016. Nous avons travaillé sur 2 projets de loi sur la migration et l'asile. Et bien entendu, actuellement, nous sommes en train de travailler sur la territorialisation de la stratégie nationale d'immigration et d'asile dans le cadre de plusieurs projets de coopération. Et ce, donc, justement, afin de non seulement de sensibiliser les acteurs territoriaux pour justement cette question de la question de la migration et de l'asile, mais aussi d'essayer donc de mettre en place les mesures nécessaires pour intégrer la composante migration dans leur programme, que ce soit régional ou communal. Donc, en matière, bien sûr, en matière justement dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, nous avons bien entendu ouvert les services de base pour justement faire bénéficier les migrants en vue de garantir leur intégration. Donc en matière de formation professionnelle, nous avons donc ouvert l'accès à certains établissements de la formation professionnelle, notamment l'OFPPT, l'Entraide nationale et le département de l'artisanat. Actuellement, nous sommes en train de voir les possibilités pour diversifier l'offre de la formation professionnelle avec d'autres secteurs, notamment le secteur du tourisme, l'agriculture, la pêche, et j'en passe. En matière donc d'emploi, sur l'emploi salarié, nous avons donc ouvert l'accès aux prestations et services de recherche d'emploi, notamment avec l'ANAPEC, l'institution qui joue le rôle d'intermédiation entre les employeurs et les chercheurs d'emploi. Au niveau des procédures d'octroi du visa, des contrats, donc, nous avons donc exonéré, c'est les migrants qui ont été régularisés durant les 2 opérations, 2014 et 2017, pour justement leur permettre d'accéder facilement à un emploi décent. En ce qui concerne en matière d'auto-emploi, il y a eu donc la refonte de la loi sur les coopératives, mais maintenant donc les migrants et les réfugiés peuvent se grouper en coopérative, donc ou bien de créer une activité génératrice de revenus. Il y a aussi l'accès au statut entrepreneur qui va leur permettre de passer d'un métier informel à un métier formel, et donc ça c'est très important aussi à le signaler. D'autant plus que nous avons constaté que ces migrants sont beaucoup plus favorables à l'auto-emploi que l'emploi salarié. Bien entendu, n'oublions pas que pour ce qui est de l'emploi salarié, nous avons aussi travaillé avec le secteur privé. Parce que comme vous le savez, il est important d'impliquer le secteur privé dans ces questions d'intégration économique, surtout pour l'accès à l'emploi salarié, dans la mesure où ça permettrait justement de combler un peu des besoins en main-d'œuvre et qui pourraient justement
permettre à ces migrants de trouver donc un travail décent. Bien entendu, il y a des difficultés qu'on a rencontrées lorsque on a justement développé cette approche qui vise justement à assurer une meilleure intégration économique de ces migrants. Notamment, donc, il y a la forte mobilité de ces migrants en raison de leur vulnérabilité, la prédominance donc, du travail informel. Il y a encore cette persistance de préjugés sur les migrants et la faible sensibilisation du secteur public et du secteur privé quant à leur emploi. Il y a encore les difficultés qui sont rencontrées pour la reconnaissance des diplômes et des qualifications de ces migrants. Il y a aussi le manque de connaissances en matière d'emploi des migrants, notamment en termes de profil et des besoins et des secteurs porteurs. Donc, d'où la nécessité de travailler avec le niveau local pour justement identifier et renforcer davantage le partenariat avec le secteur privé. Donc, sachant que qu'il est utile, qu'il est important de matcher entre les besoins des entreprises et les profils dont on dispose. Et bien entendu, il y a aussi les difficultés administratives, notamment le renouvellement des cartes de séjour. Il y a aussi les difficultés culturelles et linguistiques. Et donc là, je voudrais donc proposer quelques recommandations qui permettraient justement d'améliorer un peu ce processus. Tout d'abord, il est nécessaire de continuer à promouvoir la communication et la sensibilisation et l'information auprès des migrants qui, même si les services de base sont ouverts, certains ne sont pas au courant. Et donc, il est important de renforcer la communication par le biais de la société civile, mais il faut aussi renforcer les dispositifs de référencement et d'orientation de ces migrants. Et ça, ce ne peut se faire qu'à travers donc, un partenariat entre la société civile et les institutions qui offrent ces services. Il y a aussi cette nécessité au niveau de la gouvernance, de renforcer la coordination entre les acteurs de la formation professionnelle, les acteurs de l'emploi, en impliquant la société civile qui joue le rôle d'interlocuteur avec ces migrants et qui peut justement identifier leurs besoins et leurs attentes, mais aussi l'implication du secteur privé et qui est fortement recommandée au niveau régional, local. Et bien sûr, il faut surtout essayer de promouvoir les bonnes pratiques ou les bons partenariats qu'on conclut avec le secteur privé pour justement le sensibiliser davantage sur le fait que embaucher un migrant peut avoir une valeur ajoutée et une diversité qui peut justement permettre d'améliorer la performance de l'entreprise. Donc, sur ce, prends fin mon exposé. S'il y a des questions, n'hésitez pas donc à me les poser. Je suis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ouchani, pour cette présentation. Je crois que très intéressant de vous écouter. Vous avez bien posé déjà les bases de quelle est la stratégie, l'approche du Maroc qui est mise en place depuis quelques années. Mais surtout, vous avez donné des éléments très intéressants sur le processus de mise en œuvre de cette stratégie, parce que c'est bien beau d'avoir des stratégies, mais faut-il encore pouvoir les mettre en œuvre? Je crois que c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous avez mentionné qui nous permettent aussi de mieux comprendre les démarches qui sont en cours à l'heure actuelle au Maroc, les différents projets, les différentes approches qui sont mises en œuvre sur le terrain. Je note aussi l'ouverture, la volonté que vous avez mentionné d'impliquer le niveau local.
vous l'avez dit vous-même, c'est il y a certains aspects de la migration qui requièrent la participation et l'engagement des autorités locales et des administrations locales en particulier. Vous avez aussi mentionné le secteur privé. Vous étiez avec nous au mois de décembre et on avait eu la chance d'organiser avec la ville de Rabat un dialogue méditerranéen sur la place du secteur privé dans la gouvernance des migrations. Et je crois que c'est aussi quelque chose, un sujet sur lequel nous souhaitons continuer à travailler. Et d'ailleurs, il y a un projet qui est actuellement dans les starting blocks. Nous travaillons avec la municipalité de Rabat depuis 3 mois pour mettre en place un projet qui vise à mieux communiquer avec le secteur privé, mais aussi avec les migrants sur les opportunités économiques qui peuvent exister, et notamment avec les femmes migrantes au Maroc, pour voir un petit peu comment on peut améliorer l'employabilité des femmes migrantes sur la ville de Rabat, à la fois en travaillant avec les organisations du secteur privé, mais aussi en travaillant sur le renforcement des capacités, peut-être sur la perception aussi des femmes migrantes, de leur perception en tant qu'agents de développement économique. Donc, merci beaucoup. J'invite bien évidemment les participants à utiliser le chat pour s'adresser à Madame Mouchani si vous avez des demandes spécifiques, et bien évidemment utiliser le chat comme un moyen de networking. Pensez que c'est un petit peu comme sortir de la salle, prendre un café avec vos collègues dans le monde réel qu'on connaissait avant. Merci beaucoup, Madame Mouchani. On reviendra, je pense, très probablement vers vous tout au long de la réunion. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi de votre côté à intervenir, parce que je pense que vos recommandations sont très pertinentes et elles nous serviront aussi à peaufiner notre approche. Je voudrais maintenant donner aussi la parole au docteur Hayat Sami, qui est responsable de la coopération et des partenariats de la ville de Rabat, justement pour peut-être donner un petit aperçu. On a entendu la vision politique de Monsieur le maire, on a entendu Madame Mouchani qui nous a aussi présenté l'approche stratégique et mise en œuvre par le Royaume du Maroc. Madame Sami, on voudrait aussi écouter un peu plus concrètement sur la dimension locale à Rabat, avant de directement rentrer dans la session suivante sur le partage d'expérience. Madame Sami. Thank you, Lamine, for giving me the floor. I will switch in French because it's more comfortable for me. Madame la secrétaire générale de CGLU, Madame la représentante du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger des affaires de la migration, Messieurs les maires et vice-maires, messieurs les représentants des gouvernements locaux et services déconcentrés, chers partenaires, représentants de la société civile et du secteur privé, honorable assistance. De prime abord, avant de vous délivrer le message de la ville de Rabat en tant que responsable de la coopération et des partenariats, je tiens à adresser mes vifs remerciements à tous nos partenaires, notamment CGLU, CMPD, ONU Habitat, pour nous avoir associés au projet MC2CM, avec le soutien de l'Union européenne et l'Agence suisse de développement et de coopération, et surtout pour avoir veillé à l'organisation de cette rencontre qui s'inscrit dans un dialogue multidimensionnel et participatif sur l'inclusion économique des migrants et plus particulièrement leur accès à l'emploi. Nous souhaitons également remercier vivement les villes qui se sont engagées à partager leur expérience à travers cette plateforme interactive. Mesdames et messieurs, notre capitale, siège des organisations internationales et des représentations diplomatiques, n'a pas hésité à signer les 2 pactes de la migration et des réfugiés, ainsi que la charte de la migration initiée par CGLU Afrique. De ce fait, elle a été l'une des villes pionnières à prendre la question de la migration à bras le corps et à développer une politique migratoire efficiente basée sur l'inclusion et le vivre ensemble pour ne laisser personne derrière, à travers ses documents de planification et son plan d'action communal, qui s'aligne parfaitement avec le PDR, le plan de développement régional, le PDP, ainsi que la stratégie nationale d'immigration et d'asile, comme il a été mentionné de la part de M. le maire et Mme Leïla Houchani. Cette stratégie, initiée sous l'impulsion éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, représente un fer de lance et une politique massive de régularisation et d'intégration qui a été menée à l'échelle nationale et territorialisée localement par des projets ambitieux bilatéraux et multilatéraux, ayant pour objectif de renforcer l'efficacité de l'action de la ville en matière de coordination territoriale, la centralisation des données de terrain, le renforcement des capacités des ressources humaines et l'harmonisation de leur action. Parmi ces projets, nous pouvons citer les plus pertinents, en commençant par les projets Rocoming et Ecosa, initiés en partenariat avec le ministère
ici présent avec nous, chargé de la migration, auquel nous adressons nos vifs remerciements pour le soutien et l'accompagnement. Le projet de l'appui au renforcement durable des capacités de maîtrise d'ouvrage de la ville de Rabat dans sa politique sociale de proximité, dans le cadre d'une coopération bilatérale entre la ville de Mantes-la-Jolie et la ville de Rabat, initiée dans le cadre du Fonds franco-marocain de soutien à la coopération décentralisée. Et le projet vers une gouvernance migratoire partagée en partenariat avec l'OIM Maroc, l'OIM Espagne, CGLU Afrique et l'association belge Ecos Communication, avec l'appui de la mairie de Madrid, et qui vise à cartographier les acteurs concernés par la migration, ainsi que la mise en réseau de ces différentes parties prenantes à travers l'installation d'un mécanisme de coordination participatif et collaboratif. On note également le projet de l'inclusion sociale par le numérique, en partenariat avec la ville de Montréal et Douala, initié dans le cadre de notre adhésion à l'Observatoire international des maires pour le vivre ensemble, de l'AIMF. Le projet également des données factuelles sur la migration, partenariat avec ONU Habitat, qui vise l'installation d'un observatoire de la migration à Rabat, ainsi que le projet sur le nouvel agenda urbain qu'on a articulé avec les autres projets en parallèle, ainsi que bien sûr d'autres projets inscrits dans le cadre de l'intégration socio-économique avec notre partenaire, le Conseil des maires pour la migration. Et bien sûr, sans pour autant oublier le projet MC2CM avec lequel on a initié plusieurs projets collatéraux et qui nous a permis de dresser un bilan et d'élaborer le profil migratoire de Rabat ainsi que des actions de communication et l'engagement du secteur privé. La ville de Rabat a également entrepris plusieurs activités dans un cadre partenarial comme la création des classes d'apprentissage des langues et des métiers techniques, des crèches pour enfants des migrants subsahariens, l'institution des centres éducatifs en association avec l'ANAPEC et l'entraide nationale, la communication ciblée et la sensibilisation par l'organisation des conférences internationales en partenariat avec le Conseil de l'Europe, ainsi que d'autres actions initiées chaque année dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des migrants, à savoir l'organisation de workshops, de colloques, de campagnes médicales généralisées et d'autres. En guise de conclusion, il est pertinent de mettre l'accent sur le rôle des villes en tant que catalyseurs et coordinateurs d'action dans leur territoire et pour assurer le rôle de plaidoyer dans l'inclusion socio-économique des migrants. Et finalement, dans le scénario actuel d'incertitude mondiale liée à la crise sanitaire de la pandémie COVID-19, il est fortement recommandé le transfert de connaissances de ville à ville à la lumière de ce que nous faisons aujourd'hui, et qui représente un levier stratégique pour répondre avec succès aux crises sanitaires, ainsi que le renforcement du dialogue entre les gouvernements et les programmes de décentralisation afin d'adapter leurs réponses aux réalités spécifiques avec des mesures et des ressources adéquates. Et finalement, la mise en œuvre d'approches cohérentes en matière de mobilité humaine. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Samy, pour cette introduction et cette présentation des travaux. Et je crois que c'est assez impressionnant de voir, et ça fait écho à ce que disait la secrétaire générale CGLU. Si quelqu'un se demande pourquoi Rabat, je pense que entre votre intervention et celle du maire, on a clairement une réponse, un travail assez impressionnant qui est mis en place. On peut dire que Rabat est pionnier dans ces travaux-là. Et on est bien évidemment ravis de pouvoir vous accompagner, continuer à travailler avec vous pour essayer de vous apporter des compléments d'informations, de compétences et de vous accompagner dans le développement de projets. Un grand merci. Je crois que là, on a bien la scène est bien placé. Le contexte a été bien introduit. Pour ma part, je voudrais quand même remercier l'ensemble des villes qui contribuent avec nous, la ville de Garoulos, la ville de Gaziantep. Un grand merci à nos amis du Brésil et de la Turquie de nous accompagner, aux collègues du CCRE à travers du projet Inclusities, mais aussi je vois que nous avons dans la salle Ramallah, nous avons CGLU Afrique, nous avons Sfax. J'espère que je n'en oublie pas, et excusez-moi si c'est Irbid avec qui est aussi présent. Donc merci à tout
toutes les villes et à toutes les personnes qui participent. Et un grand merci aussi à l'ensemble des acteurs de Rabat, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui une mobilisation de la municipalité, des acteurs du territoire de Rabat, et c'est tout l'intérêt de cette discussion. Donc, sur ces remerciements, je vais passer la parole à ma collègue Fatima Radar, qui va un peu expliquer le processus dans lequel qui a été mis en place. On a déjà eu deux réunions techniques de préparation, et puis qui va, sans trop tarder, lancer l'échange d'expériences, parce que c'est aussi le sujet de cette réunion, c'est d'entendre des expériences des uns et des autres. Fatima, the floor is yours. Thank you, Lamine. And now, since we are in this hands-on session, so let's get to the heart of this objective. To provide the participants today with the background of this tailored city-to-city transfer session, the city of Rabat and MC2CM has held two exploratory technical meetings with all the city stakeholders, engaging city representatives, migrant associations, and representatives of the private sector to discuss and agree on the opportunities and the challenges faced in the city of Rabat in regards to migrants' access to employment and the city and access to employment. So the city stakeholders have concluded their discussions with a list of challenges faced, such as access to adequate housing, legal status, regulatory frameworks, limited scope of municipal mandate, and the limited capacities of municipal staff in order to support migrants in their access to employment in the city. At the same time, they concluded their how they want to address those challenges by setting a set of local initiatives to be taken by the city of Rabat. So we can consider that appointment of representatives from migrant communities to government institutions, collaborations with the city's migrant societies, associations, and establishment of local intervention office and coordination platforms, establishment and providing free Arabic classes to migrants in order to overcome their language barrier. And the objective of this session basically is to capture, based on the experiences and practices that will be shared by our speakers today, and see how those experiences can fit the context of Rabat and what can be implemented there based on the discussions that will follow. So I would need first to remind our speakers that we have each has 10 minutes, and I would be more than grateful if you can stick to the time allocated so that we open the floor for more discussions and interventions from our participants. I will not take more time, but I will give the floor to Dermish Ghouri, the Director of External Funded Resources and Knowledge Management Strategy in CMR. Mr. Dermish, you're there? Yes, I am. Thank you very much. Thanks a lot for giving me the floor. May I add one thing before? I'm sorry. In the meantime, and while we are exchanging the experiences and while we take your interventions, we have a mural that our colleagues are already have captured a lot of the elements that were discussed beforehand. And during these discussions, we will be filling in the mural that will be shared at the end of the discussions. Thank you so much. And I'm sorry, Dermish, again, the floor is yours. No problem. Thank you very much. Just a matter of explanation. You have approached the city of Increase City project to get involved today and to share with you, but unfortunately, the person could not make it. So I accepted to go through the project and to give you some, let's say, insight of what we are doing. But hopefully next time we're going to have the occasion to hear the city experience itself.
But I'm going to try to do my best to present in the best way the project, and happy to take forward any question. It's our pleasure to have you here. Thank you. Thank you very much. Before starting, so just switching in French a bit, je voudrais remercier Monsieur le Maire et toutes les efforts qui sont. J'entends très bien toutes les efforts au niveau de la ville, les représentants du gouvernement et aussi le secrétaire général de CGLU pour donner cette occasion et pour créer des ponts, on va dire, entre les différents membres dans différents continents. Donc, je vous remercie beaucoup de ces efforts et on sera toujours là pour donner notre expérience dans les différents projets qu'on a à ce moment. Donc, vu que les collègues ont préparé la présentation en anglais, je pense que ce sera préférable que je parle en anglais plutôt, sinon ça va être plus compliqué. Donc voilà, I'm going to switch back to in English. I can go directly to the second slide, please. So here about the context, and I remember well that I have 5 minutes, and 5 minutes are probably discussions, but I'm going to stick to that 5 minutes. So in terms of context, that you know very well that in the thousands of immigrants and seekers are coming to Europe, feeling instability of their country or for any other economic or social reasons. You have mentioned, and we all agree, that local and regional governments play a very important role in the field that they are responsible for, housing, training, education, employment, and other opportunities. But alongside those huge responsibilities, cities are facing their own, let's say, issues in order to fulfill those obligations, and especially when we speak about small and medium-sized cities. This case is in Europe. We have, let's say, quite a lot of cities that are struggling with a lot of issues to put together an action plan and concrete actions for any of the and the fields that we were just mentioning, training, education, and employment, as I understood well, was the topic of interest for today. So I'm just going to stay still in the first slide, please. Yes. For this, we have been calling since 2015 for having, a common European asylum policy at all levels of government. And you know that today in Europe, we do not have a such approach. And the policy is mainly driven by the national member states. But as you might know, the European Commission presented a new pact on migration and asylum seekers and action plan on integration and inclusion for the upcoming years. Both initiatives are very important for us in Europe and worldwide. And just for your information, last week we had a very good exchange with your European Commission representatives in Parliament about those two documents and to see what is the place of local governments in all this and how we can, handle those challenges together at all the levels of governance. Taking into consideration the challenges faced in the various cities, we decided to put together a project in 2020 funded by the Commission called InCruCities in order to accompany and limited number of cities to exchange experience in the topics of employment and more large integration. We have selected 8 cities and 8 national associations to encourage city-to-city collaboration, but also to encourage capitalization of lessons learned through the national association of local governments and to ensure the dissemination of good practices and lessons learned to a larger public. Yes, please. That's a bit about the context for you to know where the project came from. And from the partnership side, we have the CMR, which leading the project. We have the Greek association with Lavia City. We have the French association of the Council of European Municipalities and Regions, plus the Saint-Jean de Raël, there's a city, Italian Association plus Partinico,
Then we have our Latvian Association plus Jelgava City, Spanish Federation of Municipalities and Provinces, accompanied to Fuenlabrada. Sorry for pronunciation if that's not the right one. I'm trying to read it because it's small letters. And Brew Localis, our Belgian, association with the city of Brussels and Schaarbeek, and the association of Flemish cities and municipalities with the city of Mechelen. So this is the partnership led by us. As I said, there's eight associations and eight cities on board. Next slide, please. And the objective here, it's straightforward. We like to facilitate the knowledge sharing between the four more experienced cities with four less experienced cities in the various topics of interest and the national associations, as I said at the beginning, to accompany this process to ensure then the transfer of knowledge and the lesson learned to other cities in their territories. So here we have a very good combination of the cities, the size and the issues that each of the cities faced. And the second objective of the project is honestly to go to increase the capacities of middle-sized cities to deliver policies on integration. We have made a kind of, matchmaking between the cities having the same kind of issues so that can work towards the elaboration of concrete action plans and put concrete action plans in terms of implementation in the forthcoming years. If I'm going to the next slide, please. So what we are going to do in this project, we're going to develop four action plans on integration for the four Maltese cities, the ones that are eager, let's say, to learn and to exchange with the other cities that are more advanced. We like to develop four online one-stop shops for the mentor cities. Here, still are quite a lot of discussion on the way, how, what are the needs of the cities and how that can be better managed and how this can collaborate better with other, agencies at the local level or NGOs dealing with some of those topics. So the four cities are put, are matched to the other four cities to exchange. Here we have, the first overview of the topics that the city is going to work together. The city of Brussels and the French city are going to conduct a strategic needs assessment and establishing the conditions that will enable migrants to become active members of the community. The second matching is how to build a vision of the city for all. Here we have city of Michelin and the Italian city. The third matching, is mobilizing cities to develop tools for decent employment and entrepreneurship for migrants. Here we have a match to two cities, a Spanish city and a Greek city. And the last one, improving formal and informal opportunities for language learning for newcomers and the established, minorities. And here we have the city of Schaarbeek and the Latvian and Latvian city. So now where we are with all that, the first year of the project was a bit, complicated with, as you all know, with COVID-19 issues, and we have planned quite a lot of studies and the changes between cities, and that stopped. So we focused more the first 8 months of the project, in the methodology to create, the first steps of putting Maltese and Montreal together and to analyze the needs of the cities itself before going into the exchange. So all this time, we at the end of the day, we gained a lot of time so that the cities to get to understand what are the needs from the other cities. At the end of the day, I think methodologically makes sense to start in this way. We keep organizing some actions or events via webinars, but we really
encourage, or let's say our partners, to postpone some of activities for later on, from September on, in order to organize study visits that are, you know, a bit longer than a webinar of 2 hours, and to make sure that at the end of the project we can have the deliverables and outputs that we have imagined at the beginning of the project. So I suppose that Patty, my colleague, I think that's the 5 minutes. I did my best to remain in 5 minutes, but happy to stay longer with you and to say a few words more if necessary. Thank you very much. Thank you so much. And thank you for sticking to the time. I can see the added value of having Inclusities with us today because of all the overarching and intersecting approach that we have also at the MC2CM when it comes to the dialogue, to the strengthened dialogue between the cities, the shared experiences, and the knowledge when it comes to identifying the challenges at the cities. I can see we intersecting in other webinars and other activities, hopefully face-to-face in the future. Thank you so much. I would encourage all the participants, if you have any questions about the presentations, please put them in the chat and we will address them in the Q's and A's afterwards. I will leave the floor now to Ms. Rejani Lacosta, City Representative of Guarulhos in Brazil. I hope I pronounced that right. Mrs. Rejani, you're there. Bom dia e boa tarde a todos. Não sei se conseguem me ouvir. Acredito que sim, mesmo. Em nome do meu secretário de Igualdade Racial, Sr. Anderson Guimarães, agradecemos o convite que nos foi feito pela coordenação desse importantíssimo evento direcionado às boas práticas na área de imigração e apresentar alguns trabalhos realizados pela cidade de Guarulhos. Comecemos. Pois bem, trago aqui a localização da cidade de Guarulhos para que os senhores tenham algumas informações sobre a nossa cidade, localizada no mapa do Brasil e no mapa de São Paulo. A cidade é a segunda maior do estado de São Paulo, só perdendo para a nossa capital. É a terceira mais populosa do Brasil, a segunda mais rica do Brasil. Hoje, a cidade tem aproximadamente 1.300.000 habitantes e sedia o maior aeroporto internacional do Brasil e da América Latina. Em 2019, foi computado cerca de 40 milhões de passageiros circulando pelo aeroporto. Isto por si já coloca a cidade de Guarulhos na rota internacional da migração e, infelizmente, do tráfico de pessoas. Próximo. Pois bem, em função de toda essa mobilidade humana e também em função de várias pesquisas, inclusive em nível internacional, sobre a mobilidade de pessoas na cidade de Guarulhos, foi implantado o primeiro serviço de atendimento a brasileiros em situação de deportação, inadmissão, vítima do tráfico de pessoas e também os migrantes em vulnerabilidade nas áreas de fronteira. Este serviço foi idealizado em 2006 por uma renomada ONG da cidade e, a partir de 2010, ela passou para a administração da Prefeitura de Guarulhos. E a sua metodologia de atendimento foi repercutida em todo o Brasil. Próximo. Dada a importância da cidade de Guarulhos, nos anos de 2011 e 2013, foi firmada uma parceria com a comunidade europeia, em específico com Itália, para o projeto 100 Cidades por 100 Projetos Brasil-Itália, onde foi possível fazer uma importante troca de experiências, foi possível realizar pesquisa, capacitação dos nossos servidores e também troca de experiências
com cidades que integraram esse projeto, cidades do Brasil, Itália, Espanha e Romênia. Foi um processo de fortalecimento tanto da política de migração como de combate ao tráfico de pessoas. Próximo. Pois bem, na cidade de Guarulhos, as discussões referentes à política de migração estão contidas na Subsecretaria da Igualdade Racial, que é um órgão da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Guarulhos. A Secretaria de Direitos Humanos, através da Igualdade Racial, realiza discussões, debates, cooperações técnicas e parcerias com diversas instituições. Aqui destacamos algumas delas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refugiado, ou seja, a Acnur, a Organização Internacional para as Migrações, OIM, intercâmbios com vários níveis de governo, em âmbito municipal, estadual, federal, as sociedades civis são importantíssimas, assim como universidades, consulados e outras instituições. Próximo. Como um exemplo, trouxemos aqui o Seminário Internacional de Migração, Refúgio e Tráfico de Pessoas. Isto aconteceu em 2018. Nesta foto temos a Consuleza do Paraguai nos trazendo grandes ensinamentos de como combater o tráfico de pessoas e a experiência dela na Tríplice Fronteira. A representante do Acnur em São Paulo, o meu subsecretário, representante da Defensoria Pública da União, que é o órgão que dá assistência jurídica aos migrantes, e, por fim, representante da Unicamp, que tem um observatório de migrações. Pois vejam, é através de todos esses amplos conhecimentos que nós conseguimos elaborar ações e políticas em favor dos migrantes e refugiados. Próximo. Trago aqui como o nosso marco legal a Lei de Migração, que foi implantada em 2017, uma lei que foi criada a partir dos princípios constitucionais brasileiros e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma política muito inovadora, em que não criminaliza a migração, ela traz o imigrante como um sujeito de direito, ela prevê a acolhida humanitária e a reunião familiar como princípios operantes, o acesso pleno a direitos sem qualquer discriminação em função da condição migratória. Ou seja, aquele migrante que por algum motivo esteja de forma irregular, ele não será tido como um agente que tenha praticado um crime, mas é dada a condição para a sua regularização migratória, ou seja, a proteção aos direitos e garantias dos princípios de direitos humanos. Próximo. Bom, a nós foi solicitado algumas boas práticas envolvendo os diversos consulados. Trouxe há pouco a participação do consulado do Paraguai e agora trazemos aqui algumas práticas realizadas com o consulado da Bolívia, chamado de consulado móvel, que são ações de cidadania trazidas pelo consulado da Bolívia aos seus residentes na cidade de Guarulhos e com o objetivo de fornecer serviços de regularização documental e regularização migratória, dentre tantos outros serviços que são colocados à disposição. Próximo. Pois bem, a partir dessas nossas experiências, nós fomos melhorando o atendimento à população migrante. Trouxemos outros componentes da sociedade civil que trabalham com migrantes para compor este trabalho, em especial instituições que têm um atendimento direto. Trazemos o SIC aqui, através do Estado,
enquanto espaço físico, inclusive o SIC, numa parceria do Estado com a cidade de Guarulhos, tem em suas instalações o Centro de Referência de Direitos Humanos. E foi lá que aconteceu a maioria das ações. A ASBRAD, que é a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, renomada ONG, inclusive mentora do serviço no aeroporto. O CAMI, que é o Centro de Apoio e Pastoral do Migrante, tem uma grande experiência na atenção aos imigrantes latino-americanos e também combatem o tráfico de pessoas e o trabalho escravo, assim como a ASBRAD. E a Ordem dos Advogados do Brasil, que é o órgão de classe no Brasil para os advogados, e através do Núcleo de Direitos Humanos também integrou estas ações. Com isso, podemos ampliar o leque de serviços e orientações à população boliviana no território guarulhense, esse plus de entidades. Próximo. Trazemos aqui como avanços e desafios, né? O avanço, óbvio, as ações articuladas com as instituições que trabalham diretamente com imigrantes e refugiados. Entendemos que essa cooperação ela é fundamental e propiciou a aproximação do poder público para um melhor atendimento e orientação dos diversos programas e serviços públicos à disposição da população geral e, no caso, da população migrante. Outro fator que nós colocamos como um grande avanço foi a possibilidade de fazer esses atendimentos no idioma da população atendida, no caso, os bolivianos, e no idioma espanhol. Isso foi um grande facilitador para que os trabalhos pudessem acontecer da melhor forma. Como um desafio, a ampliação desta participação a outras secretarias da prefeitura, ou seja, a partir do trabalho desempenhado com o consulado, a ampliação com as instituições que trabalham com migrante, o próximo passo será aproximar, ampliar, integrar as políticas públicas municipais através das demais secretarias, assistência social, educação, saúde, trabalho, mulher, diversidade, enfim. E com isso, chegar muito mais próximo desses migrantes. Como material informativo, trouxemos aqui um folder que foi idealizado nos principais idiomas, contendo informações sobre direitos e acesso dos migrantes aos serviços básicos disponibilizados pela cidade e contendo o contato das principais secretarias para facilitar o acesso dessa população. Próximo. Sim. Como fruto dessa parceria, e nós tivemos uma ampliação, né? O consulado da Bolívia nos solicitou apoio nas eleições presidenciais que aconteceram naquele país, e com isso o poder público municipal cedeu alguns locais para realizar as eleições, locais que foram utilizados como recintos eleitorais. Nesta foto, obrigada, o secretário de Igualdade Racial, o cônsul da Bolívia em São Paulo e eu. Próximo. Também como uma forma de demonstrar a importante parceria com a sociedade civil, trazemos aqui um curso de português para imigrantes e refugiados
curso presencial, e que, óbvio, aconteceu antes do processo da pandemia. Curso idealizado pelo CAMI. I would like to conclude within 1 minute, probably, if you can. Sim, sim, claro, claro. Thank claro. You so much. Thank you. Ok. Trazemos aqui aulas de português, próximo. Aula de português também, que será realizado, iniciado na próxima semana, numa parceria de prefeitura, ONG, ASBRAD, e duas importantes instituições ligadas ao segmento do comércio. Próximo. Um curso de um curso profissionalizante na área de panificação ao segmento de imigrantes, com uma larga parceria. Curso de empreendedorismo, justamente para a inserção no mercado de trabalho. Próximo. Trouxemos aqui uma grande participação da cidade em um projeto de OIM, onde vamos estruturar internamente, em nível municipal, a política de migração, com vista a todas essas áreas de atuação da cidade, que vai ser foi um grande diagnóstico e será uma grande ferramenta para a organização da cidade com vista à política de migração. Sim, próximo. Recebemos aqui uma certificação e o selo neste projeto. Próximo. Como missão, trazemos a implantação do Comitê Municipal de Políticas para a Migração, contendo integrantes de todas essas instituições já nominadas, ou seja, agências internacionais, governos dos mais diversos níveis, sociedade civil, universidades, os próprios imigrantes, para a elaboração do projeto da política de imigração na cidade de Guarulhos. Por fim, o tempo é muito curto, espero termos colaborado nessa discussão, estamos à disposição, nossos contatos, e agradecer a oportunidade. Thank you so much. Thank you. And I cannot express enough how rich and inspiring all the initiatives presented. And I'm sure and positive the city of Rabat would find it very valuable to include it within their context. I hope so. Let's go into more details with Fatima and the Q&A. Thank you so much. I will give the floor to Mr. Ander Yalcin from Gaziantep, Turkey. He is the Director of Migration Office. Mr. Ander? Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much for the introduction. Actually, when I heard about Rabat, I was very excited because I've been a couple of times and hopefully those days will pass and I will have the chance to be in beautiful Rabat again one day. And also, first of all, I would like to express my contentment to be part of this international platform, which focuses on the most vulnerable groups with a sense of solidarity instead of turning our back in this challenging time. Also, I would like to address my sincere appreciation to the organizers and also to the participants of the event. Today, we are against a very powerful an insidious enemy, coronavirus. It doesn't need to be handled only health dimensions, but also economic, political, and social dimensions we need to handle. And also without necessary precautions, it will cause a global disaster. We have two different paths to choose, and this will shape our future world. And what are these options? To me, the first one, national isolation, reacting as individuals and stocking our own resources. And the second path is global solidarity, actually what we are doing right now. This is to be aware of the fact that this virus do not recognize borders. So unless the last person in the world is safe, none of us will be safe.
So sharing our knowledge, experiences, and resources is global solidarity. Based on our decision, either we will get destroyed as individuals, or we will win the war against the virus and we'll have better days ahead. Actually, it's in our hands. So it's the path we will decide it. This pandemic has a like socioeconomic aspects, and the pandemic is a global crisis. So the response to this pandemic should be global. Otherwise, it's unlikely we will win this war. So hopefully the international world, all of us, will be aware of the fact and will take all the necessary precautions to save the humanity and to us, of course. And I come from Gaziantep. It's a city in the southeastern part of Turkey, has successfully integrated 500,000 refugees and has grown its population by 25% due to newcomers feeling the crisis across the border in Syria. And also the city remains a model of tolerance. From the very start of the migration explosion, Gaziantep addressed an important question. That was, do refugees cause social, political, or economic destabilization? We knew that the answer to this question would shape all our reactions and what all our policies in that critical time. And Gaziantep answered this question, refugees do not cause destabilization, poor leadership and poor policies do. So this answer shaped all our policies and we worked based on that reality. And today, all our experiences show that migration itself is not a problem to be solved, but a reality. Needs to be managed. So instead of trying to stop the migration, we focused on managing the migration. And also we know that today the approach of migration management should be multidimensional and also should have different actors on the same field. The municipality of Gaziantep has made institutional innovation to streamline the process of delivering services to refugees by establishing collaboration with UN agencies, international organizations, national NGOs, and also international agencies, including central government. In order to create additional resources and innovate the process of service delivery, this collaboration was a must. This is where our experiences on managing migration actually is the response to COVID-19, because the beginning of migration response for us was an emergency setting. So at the very beginning of the migration crisis, we were planning for short term and we were trying to handle that crisis. In time, we just switched our approach instead short term to long term and mid term. And our approach also switched from emergency setting to social development, capacity building, and building a resilient city. So this way, our experiences while managing the migration help us a lot, also responding to COVID-19. Because as I said, this is a global issue and we had to work with different international bodies. So we were already experienced while managing migration to collaborate with different bodies and different organizations, including central government, including NGOs and international bodies. So this was an advantage for us when we look what we did in response to COVID-19. So this pandemic, and no doubt, is a challenging crisis, but the most vulnerable, including the refugees, are the biggest victims of this pandemic. And we know that it's a fact that there is no alternative to seeking universal and equal access to basic human rights and social services for migrants, for refugees, and also for the most vulnerable ones, without any discrimination of any kind.
So as municipality, we establish a coordination unit with different local actors and international organization by getting the support of the central government as well. Even the pandemic resides, we know that the impact will stay longer and our habits will change eventually. The world after the pandemic will not stay the same and we should get ready for the new normal. So as a municipality, we are getting ready for it and we are improving our services. What we did so far very briefly, education is so important. So you can't stop it no matter what. That's why now we are improving e-learning services and distant learning services, especially for vocational training and also for language courses, especially for refugees. And now we are planning to establish a crisis management unit. This is a must. You don't know what will happen in the future. You don't know what will happen tomorrow. So now we have to get ready for any kind of crisis. Now we are working on it with different bodies, including international ones. And we know that collaboration is never needed as much as today. So we are trying to establish different collaboration with different units. So as municipality, of course, we are working on different fields. So now each field is very eager to find a responsibility sharing body. And food security and agriculture is really important. That's what pandemic taught us also. So now we are also working on food security and agricultural projects. And social services department of the municipality has to be very strong because the crisis hits first the most vulnerable ones. And psychological impact of that crisis is quite important. So now our social services department is getting ready for any kind of crisis. And also providing accurate information is life-saving during these crisis times. So now our like media department, they are working very careful on that issue. And finally, our approach, leaving nobody behind, because this pandemic also taught us something very important. The virus comes from one person. So even one single person, individual in the world is not safe. So you cannot talk about being safe for humankind. So now all our approach is leaving no one behind and working for the most vulnerable and also designing a municipality for the future for all. Thank you very much. Thank you so much. I cannot but realize the importance of the intergovernmental cooperation among all the practices that were shared actually, and putting the benefit and the needs of the migrants and addressing them is most important. Thank you for the very innovative approaches you just presented. Let's go deeper into that. I'm sure the participants will have some questions about that. Thank you so much for being with us. I had, before I just give the floor to Fatima, on a more personal note, I was very privileged to go to Gaziantep and meet the colleagues there. And I was very, very impressed by the initiatives taken there. So, and I feel how much of added value you have today within this session. Thank you so much, Ander. Thank you very much. Fatima, I will not take more time. I know we are beyond time. Fatima will start now the Q's and A's, and basically we will go through the more practical steps in terms of our mural. Fatima, the floor is yours. Thanks a lot, colleagues. And before I shift into I dive in into my part of the session, just answering to your personal note, just reminded that you went to Gaziantep in a mission that was supposed to precede an event that Gaziantep wanted to host us, and we are still willing to go, but we will need to wait a little bit yet. So, donc merci à tous les participants pour ces contributions magnifiques.
Et je veux commencer ce tour de questions tout d'abord en vous montrant encore quelque chose que je trouve extrêmement important, parce que ce que vous voyez ici, c'est en fait, ce sont vos idées, c'est le résultat de tout un processus que nous avons mené pendant maintenant 3 mois. Nous avons commencé par des réunions avec la municipalité, et ici je tiens vraiment à remercier vivement Dr Hayat, parce qu'elle elle a été vraiment engagée dans ce processus. Donc, avec des réunions avec notre équipe d'apprentissage, l'équipe de UCLD Learning et la municipalité, on a commencé par nous confronter à la réalité de Rava, que nous avons un peu résumé ici, à quels étaient les défis, les réalités qu'il rencontrait dans le territoire, et aussi quelle était sa vision en tant que municipalité, parce que aussi bien à Rava comme dans les villes que nous avons aussi aujourd'hui avec nous, on a déjà une politique migratoire, on a des stratégies, mais on vise toujours à les renforcer, sachant qu'il y a beaucoup de réalités qui changent aussi. Donc, pour s'y adapter, nous nous sommes questionnés à travers diverses méthodologies. Quel était le prochain pas, quels étaient les besoins au niveau territorial en ce moment. Puis, dans un deuxième moment, nous avons élargi encore une fois avec aussi une grande volonté de la ville. On a élargi l'éventail des acteurs qui participaient à cette réunion pour savoir aussi du point de vue des personnes migrantes, du point de vue des associations de la société civile et du point de vue du secteur privé, quels étaient ces défis aussi. Et donc, de ces réunions, ce cadre que vous voyez est ressorti en haut. Et c'est sur la base de cela que nous avons recherché les initiatives d'aujourd'hui. Et nous sommes vraiment fiers et contents que vous ayez répondu à notre appel, parce qu'on voit la pertinence de ce que vous nous avez raconté. Donc, c'est là pour vous dire que tout ce que vous voyez ici en bas, c'est aussi nos collègues en train de capter toutes vos idées afin de pouvoir bien rapporter tout cela, et que cela serve à la ville de Rabat qu'on passe pour des discussions sur ce qu'il faut faire à l'avenir, mais aussi à d'autres villes qui sont présentes aujourd'hui et qui sûrement voudront participer à des processus similaires tels que SFAX, Irbid et d'autres. On espère bien que aussi avec les collègues de Gaziantep on continue à travailler. Et je tiens aussi à souligner qu'il nous faut rajouter à cela aussi la contribution de la ville de Mechelen qui participe au projet Inclusive, c'est qu'aujourd'hui ne pouvait pas être avec nous, mais qui a quand même envoyé quelques éléments pour qu'on puisse les prendre en considération. Maintenant, cela dit, et le temps que nos collègues travaillent à ces tableaux où on retournera plus tard, je voudrais en fait commencer déjà par les collègues de Rabat en demandant, après avoir vécu tous ces processus, mais aussi avoir reçu autant de contributions aujourd'hui, quels sont les éléments qui, par exemple, vous avez trouvé qui effectivement seraient intéressés à peut-être explorer dans un deuxième temps dans la ville de Rabat? Quels sont les éléments qui vous sont le plus intéressés? Et je crois que Madame Waldia, qui a été avec nous et qui plus tard fera un peu le rapport de la session, mais je voulais savoir si vous avez déjà des réactions préliminaires avant d'ouvrir la session aussi aux collègues de SFAX, d'Irbid, aussi aux collègues, aux partenaires qui sont là, aux représentants de la société civile, etc. Madame Waldia, est-ce que vous êtes là? Sinon, je vois Madame Sami Waldia. Oui, Fatima, oui, je pourrais le faire, il n'y a pas de problème. En attendant que Waldia finisse son rapport, pour faire notre rapporteur, avec notre collègue aussi. D'accord. Je,
Je souhaiterais remercier toutes les villes qui ont contribué à cet échange d'expériences qui était très intéressante. C'est vrai que bon, il y a des expériences sur lesquelles nous nous sommes déjà engagés au niveau de Rabat, mais qui restent aussi très intéressantes. Et il y a des passages innovants, novateurs, que nous souhaitons approfondir davantage. Notamment, j'ai trouvé que les deux expériences brésiliennes et turques sont très inspirantes. Je trouve qu'au niveau du Brésil, la collaboration entre le consulat et la mairie reste aussi un point fort par rapport à dans le cadre de cette coopération envers la gouvernance migratoire, notamment pour le centre de soutien et d'accompagnement, le SIC, le centre d'intégration, le centre de soutien et d'accompagnement et le centre d'intégration de citoyenneté, le SIC, avec le centre de formation en partenariat avec l'association des avocats. C'est vrai que oui, la collaboration avec la société civile, on est très impliqué aussi là-dedans. Je souhaiterais en fait par la même occasion poser deux petites déclinaisons. Comment le processus a été initié dans cette collaboration directe à travers le consulat dans la gestion des affaires de la migration. Pour la Turquie aussi, cette stratégie de résilience, elle est tout à fait pertinente, notamment en cette période de crise. En matière de résilience territoriale, comment ce cadre a été initié? C'est vrai qu'à Rabat, on a installé, mais directement après la crise, une cellule de gestion de crise climatique, sanitaire et tout autre de crise, mais je souhaiterais savoir aussi comment ces cellules qui traitent la résilience au niveau de la ville a été initiée et sur quelle base ils sont en train de travailler, notamment cette période de crise. C'est vrai que les cellules d'apprentissage des langues aussi, c'est important. Nous l'avons déjà aussi, mais on souhaite aussi avoir des détails plus approfondis dans ce sens. C'est vrai que la formation, dans les deux cas, c'est très important, qui représente un levier stratégique pour le développement local dans sa dimension économique, sociale et culturelle. Merci. Merci à vous, Madame, Dr. Hayat, cher Hayat, de vos questions très pertinentes. Je veux vraiment que nous ayons le temps de les avoir répondu par nos collègues. Donc, je vais juste demander s'il y a quelqu'un qui a d'autres questions à rajouter à nos partenaires, à nos collègues de Guarulhos et de Gaziantep. Autrement, je vais leur donner la parole pour répondre à ces questions spécifiques parce qu'il s'agit justement de ça, de bien connaître comment ces processus ont été mis en place pour pouvoir savoir comment envisager des stratégies similaires dans les territoires. Donc, Fatima? Oui, Madame Adia. Bonjour, ça va? Bonjour, je suis heureuse d'être parmi vous. Comme conclusion, d'après cette réunion, on remarque l'implication de tous les secteurs, les acteurs dans la migration, commençant par l'intervention de M. le maire, qui a rappelé le rôle de la ville de Rabat, qui est en avance dans ce domaine. Elle vise à l'accélération des ODD. Elle joue un rôle catalyseur et initiateur dans l'application des décideurs principaux pour promouvoir une cohésion sociale pour les migrants. En passant vers Madame Emilia, dans son intervention, elle a présenté une vision politique qui n'est pas facile. Que Rabat, la relation entre Rabat et Sud-Afrique elle a aidé à améliorer la migration. Elle a un peu fait la bonne relation entre la commune de Rabat et le gouvernement marocain avec Sud-Afrique a joué un rôle très pertinent dans le domaine de la migration. Qui a, d'après le contexte, qui était très clair et très important et très pertinent, les échanges et la coordination dans cet exercice, elle a fait beaucoup de... c'est un rôle pertinent pour aboutir à des solutions pour les migrants, soit au niveau
de l'emploi, soit au niveau de la formation et beaucoup de choses pour l'intervention de Madame Leila Ouchani, qui a rapporté une très bonne interprétation. C'est que elle a rappelé, elle a fait un petit rappel sur la réalité migratoire pour la SNIA, la stratégie nationale pour l'asile. En 2014, il a mentionné qu'en 2013, elle a visé sur une meilleure intégration. En 2014, elle se repose sur 7 projets sectoriels qui permettant de bénéficier des bases dans la mise en œuvre de la santé, l'éducation, l'emploi, et avec en partenariat avec les acteurs, des acteurs comme l'ANAPEC, l'OFPPT et l'entraide nationale. En secteur de tourisme aussi, en matière d'emploi, elle a mentionné que l'ANAPEC, c'est l'acteur qui joue le rôle d'intermédiaire entre les acteurs comme les sociétés ou les sociétés pour que les migrants puissent accéder à l'emploi. Et aussi, on passe à l'intervention de M. Yalcin. Madame Ravdan, est-ce que je peux vous arrêter là juste quelques instants pour que les collègues puissent répondre aux questions de Madame Hayat, et on fait la deuxième partie de rapport de la session juste après cela. Comme ça, on a eu jusqu'à là, et merci beaucoup de votre intervention et de votre rappel de cette première partie, de cet encadrement que je trouve aussi très intéressant pour cette partie de la conversation. Et là, je voudrais, pour qu'on puisse aussi mieux gérer le temps, redonner la parole à Rejane sur la question particulière de Madame Hayat Sami sur un peu le processus des consulats mobiles, et comment vous l'avez mis en place, etc. Un peu plus de détails sur la question. Donc, je vous donne 2 minutes et après, on passe à Gaziantep. Sim, estão me ouvindo? Sim, perfeito. Sim, perfeito. O consulado, inicialmente, ele procurou a Prefeitura de Guarulhos para realizar as ações que ele chama de consulado móvel, né? No caso do... Perdão. No caso do consulado boliviano. Nós demos toda a estrutura e fomos observando que poderíamos melhorar o acesso dessas pessoas aos serviços públicos. Poderíamos aproveitar o ensejo de que essa população estava reunida para uma outra necessidade e ali nos colocarmos à disposição para fazer o processo inclusivo. Então, chamamos as outras entidades que já trabalham como parceiros para estimular, para facilitar o diálogo entre o poder público e os imigrantes. Mas, como já coloquei, não só aquele serviço do aeroporto, mas todos os outros serviços municipais, muitas vezes necessitam conversar com os consulados. Então, este diálogo ele já é mantido em função de outras situações. O que nós fazemos é entrar em contato para propor ações para as populações que estão em Guarulhos. A população boliviana é a maior, seguida da haitiana, temos egípcios, congoleses, temos sírios, paquistaneses, enfim. O que nós percebemos? De acordo com as necessidades dessas comunidades, nós aproximamos e propomos ações em conjunto. Ou ainda fortificamos essas ações. Não é necessário aguardar que o consulado procure o serviço.
Se você tem o maior número de uma população migrante e percebe que, de alguma forma, eles apresentam vulnerabilidades, você, enquanto serviço público ou serviço referencial, pode procurar esses consulados e propor estratégias para facilitar todo esse processo inclusivo e de regularização documental e migratória. Não sei se respondi. Obrigada, merci beaucoup, Réjeanne. Je crois que ça, au moins, c'est une première réponse et on peut peut-être, dans l'avenir, voir comment approfondir cet échange qui ne va pas forcément s'arrêter ici. I will now give the floor to our colleague Ander Yasin from Gaziantep to answer the question on the resilience cell and the resilience process. Thank you. Actually, for us, for Gaziantep, the first plan was not resilience, because as country, as Turkey, we used to be a transit country for migration. So we were not ready being a destination country. But after the Syrian crisis, we understood that now Turkey started to be a destination country. So as I said on my presentation, we started on like crisis management. Then we learned on the way. We learned how we do it. We learned from our mistakes. While we were working with different bodies, different organizations, we learned from their experiences. So it was a journey for us. We learned on the way, but what we realized, people, they are here to save their lives and they are here to build a future for them, for their children. So as a local authority, you are not only responsible for the citizens of the country, actually you are responsible for all the people living in your borders. So that was our motto. That was our like motivation. So we said, any single person living in Gaziantep, in that borders, we have to provide services for them. Because again, as I said previously, if any single person is not safe, so you cannot think about the welfare of the community, of the society. So that was our motivation. It was not easy to do it because you need proper budget, you need extra resources, you need human resources. So we work with different organizations, we ask support, because while managing migration is like kind of table, you need like different legs in order to do, like in order to provide those services. So we work with different bodies. And also we included refugees themselves to our like service providing, because they know the best their needs, they know the best their culture and their people. So working together with them, not for them, but working together with them was one of the most important like turning point for us. So again, we had limited resources, but once you use them very wisely, if you analyze, if you have enough data, then you kind of manage that issue. So we shared our responsibility, and to this day, like 10 years after the first like migration flow to Gaziantep and Turkey, I think we did a good job, to be honest. So I hope it's a answer your question. I'm not sure if I did well. Thanks a lot. Well, I am pretty sure you did well. You at least gave really relevant hints, which is learning along the way, learning from errors and from mistakes, learning by doing, and acknowledging the fact that citizen is not only the one who holds a passport. So I think that is already a really good basis and for this kind of conversation. Je voudrais aussi entendre peut-être de quelques collègues de la société civile ou des associations de personnes migrantes qui ont été avec la ville de Rabat, qui nous ont accompagnés dans ce processus d'identification des éléments à traiter.
Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir en ce sens. S'il vous plaît, juste si vous pouvez lever vos mains, on veut obliger personne. Entre-temps, et vu que je vois notre collègue Wajdi de la ville de Sfax avec sa caméra allumée, je me demandais, bon, monsieur le vice-maire, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette session? Je suis sûre que vous avez vraiment fait attention à tout ce qui a été dit. Et comment vous voyez cela depuis votre ville et peut-être dans le cas éventuel où vous ferez aussi un parcours de transfert des connaissances? Merci Fatima, merci. Je salue tout le monde parce que de ma part, Sfax toujours essaie d'apprendre des expériences des autres villes. Rabat n'est pas loin, beaucoup de villes aussi en Turquie avec le flux migratoire de nos frères et sœurs syriens. Je me pose toujours la question parce que le contexte local chez nous, c'est un peu compliqué. On est dans une phase transitoire, dans une transition politique avec le Covid, avec la crise économique et politique, avec aussi l'arrivée de beaucoup de migrants subsahariens. J'aime bien connaître l'expérience. J'ai bien écouté, j'ai bien entendu les interventions de mes collègues d'autres villes, parce que les migrants chez nous, c'est presque à 99% sont dans une situation irrégulière, et cela n'a pas empêché la ville et les autres acteurs d'intervenir en tant qu'acteurs de la ville pour soutenir et arriver en aide à ces migrants. J'aime bien connaître l'expérience de Rabat parce qu'elle n'est pas loin de Sfax. Comment ils réagissent avec les migrants qui sont dans une situation irrégulière, surtout dans cette période de Covid, parce que je sais que le Maroc et beaucoup de villes au Maroc comme Rabat, elle est plus ou moins avancée dans cette thématique-là. La situation des migrants dans une situation irrégulière, comment ils réagissent avec ce type de migrants? Et aussi pour les réfugiés, est-ce qu'il y a peut-être une politique bien déterminée de la ville de Rabat et aussi en Amérique latine avec les flux des réfugiés? C'est-à-dire deux volets de ma question, comment les villes réagissent avec les migrants en situation irrégulière et aussi avec les réfugiés et demandeurs d'asile, spécialement dans une toujours approche d'apprentissage. Notre ville, toujours, elle essaie d'apprendre des expériences des autres. Et c'est un cadre très extraordinaire, MC2CM, avec la CGLU, notre ville essaie d'avancer en apprenant des expériences des autres. Et merci pour me donner la parole, Fatima. Merci à vous, Siwazi. Merci vraiment. On va garder vos questions, votre question très, très spécifique pour un tour final de réponse. Je vois en main levée Monsieur Mohamed Essemihi, si vous êtes là, c'est le moment d'intervenir. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je suis très heureux, très content d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je tiens tout d'abord à me présenter. Je m'appelle Mohamed Mehi, je suis le coordinateur du réseau Esprit d'initiative de l'économie sociale et solidaire. C'est un réseau marocain, bien sûr, qui a pu tisser des partenariats avec des organisations internationales. Le cas échéant, la Corée du Sud, l'Espagne, la France. Et justement, pourquoi je tiens à mentionner ça? Parce que nous avons travaillé avec eux sur plusieurs projets qui ont pour objectif de faciliter l'insertion des migrants qui sont en situation irrégulière au Maroc. Et justement, nous avons bénéficié de l'appui de l'État marocain pour, bien entendu, faciliter cette insertion. Et voilà, il a rendre, je dirais, multiple. Il y a tout d'abord l'insertion sociale, il y a l'insertion professionnelle, faciliter l'accès à l'emploi. Et notre cible a été toujours les migrants subsahariens qui cherchent, bien entendu, incessamment
c'est-à-dire d'avoir une situation régulière et d'avoir une stabilité au Maroc. Alors, nous avons commencé par leur décerner des séances de formation. Ces séances de formation ont pour objectif, bien sûr, de les outiller par des savoirs et les savoir-faire nécessaires pour pénétrer, pour accéder au marché de travail. Ça d'une part. C'est-à-dire, tout en cherchant à leur donner une situation administrative qui est régulière à l'aide des autorités publiques, ça d'une part. Et d'autre part, nous avons aussi cherché à promouvoir un concept qui s'appelle les innovations frugales, puisque nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées qui sont novatrices, des idées qui méritent d'être soutenues, mais qui méritent d'être encouragées et qui permettent justement de leur fournir des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de sortir de la situation de précarité et de l'exclusion sociale et aussi, bien sûr, dépasser aussi une sorte de déclassement social ou bien de stéréotypes qui veulent dire que ces personnes-là, ils sont à la dérive ou quelque chose comme ça. Non, il y a des gens qui sont très motivés, qui sont ambitieux, qui ont des idées qui sont novatrices. Malheureusement, ils n'ont pas pu, c'est-à-dire, faire fructifier ces idées dans leur pays, mais grâce à des programmes qui travaillent justement sur cette question d'innovation frugale, on a pu, c'est-à-dire, faire ressortir ou bien faire jaillir sur le terrain des expériences qui méritent d'être étudiées et qui méritent d'être applaudies et soutenues. Et heureusement, je suis très fier d'annoncer ça, on a pu, c'est-à-dire encadrer plus de 130 migrants qui ont maintenant une situation régulière, un job qui génère un revenu qui est tout à fait décent et aussi une projection professionnelle, c'est-à-dire ils cherchent à développer leur business et le pousser d'avant en tout temps cherchant eux-mêmes, c'est-à-dire à aider d'autres migrants. Donc, ils étaient à une certaine époque des bénéficiaires, maintenant, ils deviennent des ambassadeurs et ce sont eux qui prennent en main maintenant ce genre de projet et ce genre d'initiative. Et je trouve ça épatant et très considérable. Il faut bien entendu le signaler. Pourquoi je mentionne tout ça? Pour dire à la société civile, et il faut juste, c'est-à-dire améliorer la qualité de notre ciblage et attaquer les véritables problématiques dont souffrent ces gens. Et on peut vraiment les aider, on peut vraiment les intégrer et leur protéger de chercher ou bien de mener une expérience, on ne sait pas, qui est périlleuse en cherchant à rejoindre l'Europe. Donc ça, c'est très important. Merci beaucoup pour votre écoute. Non, merci à vous de votre contribution. C'est bien noté et c'est sûr que c'est déjà sur notre mural. Je vois Madame Halima Dabou qui a levé sa main. Donc, Madame Halima, si vous pouvez faire votre intervention dans deux minutes, très, très courte pour qu'on puisse passer à la partie suivante. Oui, Madame Fatima, permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette rencontre très pertinente qui est un espace, bien sûr, d'apprentissage, un laboratoire d'échange d'expériences entre villes. C'est très intéressant pour renforcer, bien sûr, la cohésion sociale et l'intégration, surtout économique. Lorsqu'on parle d'économie, c'est ça le problème posé pour les migrants. Comme vous le savez, le Maroc mène de front depuis X temps des principaux chantiers en migration, aussi bien au niveau national, au niveau régional qu'international, d'une part. D'autre part, j'aimerais revenir sur le rôle de la société civile. Donc, les OSC jouent un rôle crucial dans le cadre de la coopération avec les autorités locales, donc pour garantir les droits des migrants et pour garantir les services, pour les accéder aux droits et services. Donc,
Et j'aimerais déclarer quelques recommandations, si vous permettez, pour la cohésion économique et sociale du migrant. La création d'une base de données, des OSC actives, c'est pertinent pour créer des opportunités de travail adéquates. D'une part, d'autre part, des initiatives de développement des compétences fournies par les OSC à travers des événements culturels et artistiques organisés par la société civile. Et enfin, la formation des personnels de la municipalité, c'est très intéressant ce point, sur la gouvernance de la migration dans les zones urbaines et le dialogue avec les migrants pour comprendre leurs besoins et les défis identifiés. Et merci encore une fois. Merci beaucoup, Madame Halima, qui avait été en fait présente dans notre dernier événement d'apprentissage entre pairs réel, physique, à Casablanca, en décembre 2019. On a vraiment pas trop long, mais bien sûr, on a Monsieur Neumann qui voudrait prendre la parole. Si vous pouvez, juste une minute pour qu'on puisse passer aux conclusions. Tout à fait. Merci beaucoup et rebonsoir à tous. Je suis Nkoy, je suis à Rabat, bien sûr que je suis migrant, entrepreneur également. Et déjà, confirmer ce qui a été dit tant par Mme Ouchani que par Dr Hayat et M. le maire, que le Maroc a vraiment posé le cadre qu'il fallait. Je rappelle que ça fait 15 ans que je suis au Maroc, 15 ans, et les efforts qui ont été faits par le Maroc jusque-là sont concrets. Alors, si je peux me permettre de proposer également quelque chose, c'est que les migrants actuellement, il y a de ceux qui sont passifs, qui sont toujours en attente en termes d'intégration, et il y a de ceux qui sont actifs, qui sont passés sous le cap de la valeur ajoutée du migrant dans sa terre d'accueil par rapport à tout ce que la terre d'accueil, qui est le Maroc, a fait pour eux, les migrants, et qui se sont lancés tant dans l'entrepreneuriat ou dans l'emploi salarial qualifiante, et réfléchissent maintenant sur comment apporter leur valeur ajoutée également, tant ici au Maroc, mais également dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Et je pense que ce sens également pourrait accompagner ces migrants en se sentir responsables également. On a beaucoup reçu, on continue de recevoir, alhamdoulilah. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut également faire pour cette terre qui offre beaucoup de choses pour nous? Également s'aligner dans la vision de Sa Majesté de la coopération Sud-Sud, avec soit des projets communs, avec soit des entreprises qui sont marocaines qui veulent se lancer en Afrique subsaharienne, comment être embauché par là pour créer ces opportunités. Là également, c'est des pistes de collaboration et nous restons à disposition. Merci pour tout ce que vous faites. Non, merci à vous. Merci à vous. Et je crois que la composante de l'accompagnement et de la facilitation a été dite par absolument tous les participants à cette réunion. Et donc, on croit que déjà, là, il y a quelque chose de très prépondérant. On voit maintenant que vous n'êtes plus timide. Donc, on a Madame Ouchani du ministère, s'il vous plaît. Je vous demanderai de faire votre intervention dans une minute, s'il vous plaît. D'accord, merci. Je voulais répondre à Monsieur Ouachdi de Sfax pour lui dire, bon, alors, durant la période du COVID, donc, la plupart des actions se sont focalisées, que ce soit celle de la société civile ou celle des institutions, elles se sont focalisées sur l'assistance humanitaire au profit des migrants régularisés, demandeurs d'asile et les migrants qui sont en situation irrégulière. Ça, c'était un axe prioritaire qu'il fallait justement mettre en œuvre. Alors, pour les migrants qui sont en situation régulière, donc, il y a eu l'enseignement à distance qui a été développé au profit de ceux qui suivent la formation professionnelle au niveau de certains établissements professionnels. Il y a eu aussi la continuité des services d'assistance judiciaire et les services en ligne qui ont été développés
pour justement permettre d'informer les migrants des services qui leur sont offerts. Il y a aussi la réallocation de certains projets de coopération qui ont visé justement le renforcement financier des activités génératrices de revenus qui ont été développées notamment par les réfugiés et les demandeurs d'asile. Comme vous le savez, la crise sanitaire, donc, elle a quand même eu un impact très négatif sur les activités qui ont été mises en œuvre par ces réfugiés. Concernant la relation entre le HCR et le Maroc, comme vous le savez, il y a un accord, il y a un protocole d'accord qui a été signé il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, la relation qui permet justement de renforcer le partenariat, il y a les demandeurs d'asile sont enregistrés au niveau des bureaux du HCR et qui sont par la suite référés vers le bureau des réfugiés et des apatrides qui relèvent justement du ministère des Affaires étrangères et qui est composé des institutions qui sont concernées et qui statuent sur justement l'octroi ou non du statut réfugié reconnu par les autorités marocaines. Le HCR a des partenaires, HCR Maroc a des partenaires exécutifs, notamment les associations de la société civile qui exécutent les programmes d'éducation, de formation professionnelle, d'assistance humanitaire, psychologique, l'accès aux soins. Donc, et durant cette pandémie, donc, ces activités ont été davantage renforcées. Il y a même une étude qui a été lancée par le HCR Maroc pour avoir une idée sur l'impact de la pandémie sur les activités économiques qui ont été entreprises par les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et merci. Merci à vous. Merci à vous, Madame Ouchani. Je voudrais peut-être clôturer cette partie de la conversation avec les interventions, juste dans une minute pour répondre à ces dernières interventions des collègues de Guarulhos et de Gaziantep. Après, on redonne la parole à Madame Benkhamdan pour pouvoir finir son rapport en recueillant aussi quelques éléments de ses côtés. Et puis, on reviendra au learning component et à la clôture de la session. Donc, Réjeanne, est-ce que tu as quelques remarques en plus sur ce qui a été dit? Et surtout sur la question, je vous rappelle, sur la question des personnes en situation irrégulière dans le contexte de la pandémie. Eu diria que nós precisaremos revisar as nossas ações e as nossas políticas em âmbito internacional e local com a crise da pandemia, né? Alguma? Não, c'est bom. Our colleague from Gaziantep, do you have any final remark? No, no, not now. Thank Good. You. Good. En tout cas, on a Brahim Tibali qui a levé sa main avant qu'on passe la parole à Fernando. Oui, merci. Vous m'écoutez, madame? Oui, vous m'écoutez, madame? Merci. Monsieur Tibali Ibrahim, je me présente. Je suis membre de l'instance d'équité, d'égalité et approche genre. Égalité de chance et approche genre au niveau de la commune de Rabat. En même temps, membre de la commission au niveau de la région de développement durable, dans l'instance en même temps de l'équité et d'égalité de chance et approche genre. Je suis heureux de participer avec vous depuis notre première rencontre à Dar el-Mrini, depuis le 1er juillet 2019. Donc, on a donné beaucoup de remarques, on a donné beaucoup de projets.
Donc, on attend que ce projet-là va atterrir sur le terrain. On est là pour travailler avec vous. En même temps, je remercie l'équipe, toute l'équipe qui travaille sur ce grand chantier. Et à leur tête, M. le maire, Mme Samy et tous les membres de l'UJCL et MC2CM, ECP, MPD et ECGLG. Donc, si j'ai oublié quelqu'un, donc, merci à tout le monde. Et je veux partager avec vous un petit projet que j'ai fait sur l'immigration avec un vidéoclip. Un vidéoclip que j'ai fait. Donc, alors, est-ce qu'il y a possibilité? Ce qu'on va faire, en fait, c'est que vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais qu'on a ce tool merveilleux qui est le mural, où on peut tout coller, on peut tout partager, et qu'en fait, on va, l'idée et l'objectif de cette réunion, c'est que toutes les idées et toutes les ressources soient recueillies dans ce document. Merci de nous partager le lien ou la vidéo comme vous l'avez et nous assurerons de la faire arriver à tout le monde. Est-ce que ça peut marcher? Donc, vous m'envoyez le lien avec quoi je vais essayer de partager. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tout merci le monde. À vous. Merci à vous. Et maintenant, on sait qu'on est un peu en retard. On essaiera de, dans les prochaines 5 minutes, tout faire. Et donc, je vais pas finir clôturer cette session sans passer la parole à notre collègue Fernando du côté learning pour qu'il nous raconte un peu bon, qu'est-ce que vous avez recueilli, qu'est-ce qu'il y a là dans le mur, raconte-nous, ramène-nous un peu, voir un peu de ce que nous avons vu et qu'est-ce qui vient après en fait. Mille merci Fatima, Réjeanne et tout le monde. Bon, pour moi, c'était un plaisir de participer dans cette session. Et activités comme la d'aujourd'hui font que notre travail en vaut la peine, vraiment, avec beaucoup de riches expériences. Je partager ici aussi les murs. Et avec beaucoup, comme M. Van a dit, une méthodologie de coopération décentralisée sud-sud ici qui est notre tradition aussi et beaucoup de problèmes et expériences communs avec un capital créatif de politiques publiques immense, non? Et je pense que dans cette côté learning, nous devons penser en comment développer des activités comme ça, plus spécifiques, non? Et en train de penser les impacts concrets, mais aussi d'organiser toutes ces informations dans quelque façon des matériaux d'apprentissage qui peut raconter cette histoire, ces problèmes, et penser dans les processus communs de travail avec les autres secteurs de la société et université aussi. Donc, je pense que pour les prochaines activités dans les côtés learning, les défis, c'est comment penser et organiser tous ces savoirs et raconter ça dans un matériel ou des matériaux qui peut raconter cette histoire d'une façon facile et simple pour des autres villes aussi. Donc, pour moi, c'est un petit peu en minute, c'est ça. Merci, Fatima. Merci beaucoup, Fernando, et merci de cette créativité que vous avez pour faire arriver des idées qui sont dans les têtes de toutes ces personnes à ce très beau mural pour qu'on puisse en fait faire tourner cela en processus, que c'est ça ce qu'on veut. Et juste aussi, dans une minute, je voudrais aussi entendre notre collègue, notre troisième partenaire de l'UR Habitat, et Francesca, parler surtout de comment tu vois que cela, par exemple, du côté action et du côté des activités de l'agenda de l'UR Habitat, comment tu as vu cette session, où tu vois que cela se...
connecte à cette partie de nos travaux ensemble. Merci, merci Fatima, et merci aussi à tous les partenaires à ICMPD et CGLU, bien sûr, pour cette réunion très bien organisée. Je voulais aussi remercier la ville de Rabat, bien sûr, le maire Sadiki et Dr Sami, pour avoir donné cette opportunité de travailler sur ce défi ponctuel. Et je voulais bien sûr remercier aussi toutes les villes qui ont partagé avec nous dans cette session. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont bien montré, cette ville, ils ont bien montré ce que Lamine a aussi mentionné au début. Donc, la migration n'est pas une compétence locale, mais c'est vraiment une réalité locale. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours à travers le projet d'MC2CM et bien sûr à travers aussi les actions locales et le travail sur l'analyse des différents obstacles qui sont au niveau de ville et qui empêchent un peu l'inclusion sociale, politique, culturelle et civique des migrants, mais qu'ils ont clairement aussi, qu'ils donnent aussi une opportunité pour créer des partenariats. On a dit aujourd'hui, on l'a mentionné beaucoup de fois, l'importance des partenariats entre les différents acteurs qui sont actifs au niveau de la ville. Et c'est clairement au niveau de la ville qu'on arrive vraiment à mobiliser cette partenaire, pas seulement la société civile, mais aussi le secteur privé, aussi les migrants eux-mêmes, en tant que, aujourd'hui on l'a mentionné aussi, en tant que prestataires de services, donc des personnes qui amènent aussi beaucoup de talents, beaucoup de skills à la ville et qui ont la capacité de déboucher beaucoup de talents et d'innovation au niveau local. Donc, je pense que des sessions comme aujourd'hui sont très importantes parce qu'elles nous permettent vraiment de toucher sur des obstacles ponctuels, mais aussi de voir combien de capital on a au niveau des villes pour faire face à ce défi et pour créer vraiment quelque chose d'innovant et de transférable à d'autres réalités. Donc, on est vraiment très heureuse d'avoir participé aujourd'hui. Merci. Merci. Merci beaucoup, Francesca. Et vraiment, on arrive à la fin. Je crois qu'on aurait encore de la matière pour discuter pour bien beaucoup plus de temps. Mais dans les temps de Zoom, c'est déjà beaucoup ce que nous vous demandons. Donc, je veux juste, avant de clôturer, rappeler c'est quoi le prochain step, c'est quoi ce que vous devriez vous attendre de toutes ces discussions. Eh bien, d'après les conversations, pas seulement les conversations que nous avons aujourd'hui, mais aussi les conversations précédentes, et aussi et surtout les ressources qui ont été partagées pendant les conversations, on va essayer de faire un rapport qui devra être aussi un dossier qui appuie l'action de la ville dans sa stratégie d'améliorer les éléments qui sont ressortis, la coordination entre niveaux de gouvernement avec des acteurs et l'inclusion économique à court et à long terme. Donc, on espère que dans les prochaines semaines, vous recevrez un rapport, et ce processus va être aussi repris dans d'autres villes, notamment par exemple la ville de Sfax a déjà exprimé son intérêt, la ville d'Elbit si je ne me trompe pas, mais il y a aussi d'autres opportunités qu'on pourrait explorer s'il y a encore des intéressés. Et tous ces processus séparés qui sont très territoriaux et où on vise vraiment à chercher des expériences qui parlent à d'autres expériences, même dans des territoires éloignés, tout fait partie du même processus et tout fait partie de ces processus plus structurels de coopération entre villes, mais aussi des plaidoyers mondiaux. Et vu qu'on a été aussi chanceux de pouvoir compter
avec notre secrétaire général de CGLU pendant toute la session, ce qui n'était pas prévu, je l'avoue, parce que ce n'est pas toujours évident pour des questions d'agenda. Bon, je voudrais finir pour te demander, Emilia, comment tu l'as vu? Qu'est-ce que tu ramènes avec toi? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Tu peux aussi nous dire, on est en confiance. Thank you very much, Fatima. Well, I have loved to be able to stay with you all the time. I always tell you to the team that I don't only like to give opening speeches. I really enjoy learning from all of you. And I think the meeting has been very well framed to learn from each other. There is still a lot of work to be done because these individual experiences, they are not transformative just by sharing them. We need to give it another cooking, let's say, in the kitchen of the learning teams and in other dialogues to make sure that they become truly a learning experience. So we are here to do that. But I want to congratulate the cities that have shared their experiences. I'm really impressed. I knew some of the experiences already, like the visionary and daring experience of Gaziantep. I had heard many of the experiences already, but they are very impressive when you hear in detail. So congratulations to everybody on this. The only thing I don't like is that we are not able to be in Rabat and go out and have a nice dinner after this and continue sharing. For the rest, I think we are in a very, very good road, and I do hope we will be able to organize more learning with other cities. In any case, count on us to make sure that your voices are heard, and congratulations to all the partners and all the teams that have made it possible. Thank you so much to everybody. Enjoy the weekend. Take care. Ce n'est que partie, ce n'est que partie remise, Emilia. Thanks a lot, Emilia. And I see Madame Guardia who has raised her hand. Madame Guardia, est-ce que vous voudriez dire un dernier mot avant de partir? Oui. J'ai fait une conclusion pour cette réunion. J'ai soulevé pour une meilleure intégration, une meilleure cohésion sociale des migrants. Il faut l'implication de tous les acteurs. Quoi que ce soit, commune territoriale, gouvernement, société civile, il faut partager les responsabilités, échanger les expériences, créer des bureaux pour le conseil juridique, faire des partenariats entre les différents intervenants, mise en place des cours de la langue, aussi cours de professionnalisation, et en n'oubliant pas la pandémie qui a envahi le globe terrestre, il faut une solidarité internationale pour combattre le virus, par un isolement et cette pandémie qui a des aspects socio-économiques mondiaux, il faut le battre par nos échanges, nos collaborations et coordinations de tous les acteurs, soit locaux, nationaux, internationaux et dans tous les domaines, surtout dans le domaine de la migration. Et merci beaucoup, je suis très heureuse de participer avec vous. Bon courage. Merci beaucoup, Madame Belardane, et merci beaucoup d'avoir été succincte et très, très pointue dans votre rapport. Je crois qu'on a vraiment clôturé comme il fallait. Et je vais juste remercier tous les participants aussi d'avoir d'être restés plus tard de ce qui était demandé, surtout que c'est, en plus c'est vendredi. Merci beaucoup aussi d'avoir été aussi active dans vos contributions et merci surtout à mes chers collègues des trois organisations qui participent à MC2CM et aussi aux interprètes, aux traducteurs, encore une fois d'être restés plus de temps de ce qu'il fallait. Et à plus. Oh, juste un rappel, on a dans deux semaines, du 16 au 18 mars, un événement d'apprentissage entre parts sur citoyenneté locale. On compte sur vous. Sur 3 jours, les matinées, on aura le temps de discuter qu'est-ce qu'il faut pour la citoyenneté inclusive. Merci à tous. Merci.
Merci à tous. Merci.